La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, appelle cela ironiquement un concours de retournement de veste. Franck Dubosc est au CAR des polémiques concernant sa redécision via Viviton L. Émission en direct de Cyril Hanouna touche pas à mon poste. Lundi dernier, il a dû faire face à des représentants du mouvement. Sur le plateau, Cyril Hanouna a précisé que l'humoriste a été dévasté par le fait qu'il ait été accusé d'avoir tourné le dos au gilet jaune. Imiou, Franck Dubosc a ensuite expliqué les récents revirements de situation. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. C'est l'erreur d'un homme qui a eu peur. Maintenant, je suis là, moi aussi, à vous elle est humoriste à Cyril Hanouna le 10 décembre. Violemment attaque sur les réseaux sociaux, Dubosc Franck S explique face à dpmppic.twitter.com/Zugville. TPMP, en sortant des questions au gouvernement mardi 11 décembre, Marine Le Pen a visiblement pas convaincu la présidente du Rassemblement National, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, NDLR, qui a tourné sa veste 18 fois. Je pense qu'il pourrait faire un concours avec Dubosc en termes de retournage de veste. Vient expliquer à l'opposant Dubosc face au gilet jaune, j'y ai fait une erreur https://t.co/. Si j'ai des 7d3tpic.twitter.com/. Jiunsi dans une courte vidéo, l'humoriste fait savoir que le mouvement peut compter sur son message au gilet jaune et à vous novembre dernier. Il faut que elle soit avec qui publie un message on trouve quelque chose en parle aux copains. Adresse au manifeste MLP officiel tacle Franck Dubosc et lui propose un concours de retournement de veste avec Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. pic.twitter.com/. PO0JSRJGR9. Avec Marine, 11 décembre 2018, mais il y a quelques jours, il a été revenu le 6 décembre, une vidéo de Franck Dubosc a fait son apparition sur les réseaux. Dans celle-ci, l'humoriste donne une séance de dédicace lorsqu'un fan lui demande d'être le parrain d'une émission. Sa réponse, les gilets jaunes c'est et du passe, monsieur. Être trop et ne trop hargneux, a donné une prise de position qu'il a justifié ainsi dans TPMP, au bout d'une semaine. Je suis en Suisse, affaibli, je sors de spectacle, et il y a ce monsieur qui vient, à un moment où il ne faut pas venir. Je suis un nerve, je suis excès, je craque, parce que je suis un être humain. Accueil actualité en direct Marine Le Pen s'en prend à Franck Dubosc après avoir porté le gilet jaune.